Bonjour. Maintenant, enchaînons avec la section 2. Donc, on vient de finir la section 1 avec comme dernier mouvement notre coude, notre main, pied gauche et pied droit. Donc, nous sommes maintenant face à l'arrière. On va ouvrir nos bras avec de l'intention comme une explosion. 1, 2, 3, 4. Donc, ça prend 4 temps pour les bras à ouvrir tranquillement. Superbe. Une fois que ça c'est fait, on va aller sur la jambe droite, on va marcher et attendre un temps. Encore une fois, avec la jambe gauche, on va marcher et attendre un autre temps. Ensuite, on va faire 4 marches, mais cette fois-ci, on va les faire à toutes les pulsations. Et encore 4 marches en allant vers l'autre côté. Donc, pour cette section-ci, c'est un peu comme on est un aigle. Donc, on vole avec nos ailes et elles sont en diagonale. Vers la droite en premier et vers la gauche en deuxième. Donc, tu fais face à l'arrière, tu fais ton explosion et tu amènes ton bras droit vers le bas. Les marches sont très terre à terre. Donc, on garde notre poids vers le sol et on fait un petit peu un plié avec nos genoux. On va faire ça avec des comptes maintenant. Donc, on va commencer de l'arrière. Fin de la section 2. Et maintenant, on ouvre les bras. 1, 2, 3, 4, pieds droits. 6, pieds gauche. 8, vers la droite. 2, 3, 4 et vers la gauche. Change tes bras. 7, 8. Super. Donc, tu viens de faire ton dernier pas sur la gauche. 8, tu glisses ton pied droit. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va relâcher la terre. Et on va aller vers la droite, on va ouvrir nos bras et les refermer, ramener le pied. On refait vers la gauche, ouvre et ferme. Nos mains peuvent être relâchées. On fait ça 3 fois, la 4e fois est différente. Donc, tu vas ouvrir, mettre un petit peu plus d'énergie dans tes bras et revenir. Cette fois-ci, on glisse le pied et on va clapper les mains ensemble en bas. En même temps que vous allez faire ça, vous allez regarder vers le sol. Cette fois-ci, les pieds peuvent être collés. On recommence ça de nos marches. Donc, nous venons de faire 5, 6, gauche, 7, 8, plus rapide, 1, 2, 3, 4, et on refait 5, 6, 7, 8e pas, glisse, 1, va chercher la terre, 3, 4, et ouvre et ferme, ouvre et ferme, refait. Dernière fois, clap! Génial! On va simplement finir avec des rebonds. Ce que ton corps va faire, en fait, c'est qu'il va plier et revenir, comme ça. En même temps, notre corps va aller un petit peu vers l'arrière. Donc, tes hanches peuvent aller un petit peu vers l'avant quand tu vas vers le bas, ce qui fait que tu es un petit peu en diagonale. Exactement comme ça. Donc, on va pratiquer avec les bras. Les bras viennent de fermer. Chou! En clapant. Nos deux mains sont serrées ensemble et on va faire 4 bonds. 5, 6, 7, 8, tout en ramenant tes poings vers la droite. Donc, il va venir vers la droite et venir devant toi. On va commencer de la dernière chose qu'on a faite avec section 1. Donc, on venait de faire coude, main gauche, pied droit. On attend 8, on ouvre sur le 1. 1, 2, 3, 4, pied droit, pied gauche. 4 fois. 1, 2, 3, vers la gauche. 5, 6, 7, 8, et glisse. 2, 3, relâche la terre et ouvre et ferme. Ouvre et ferme 3 fois. 4e différent. Éclat. Bounce. Rebond. 7. 8. Super. Maintenant, essayons de compter et de pratiquer la section 1 et 2. Donc, c'est parti. On attend 1, 2, 3, 4. Pousse la vague. 6. 7, 8, et refais. 2, compte, et lève. 2, compte, et pousse.
pousse, regarde, prépare et plonge. 2, 3, 4 et plante, désherbe et 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, écoute droit, main gauche, pied droit et 1, 2, 3, 4, droit, 6 et gauche, 8, 4 fois vers la droite, 2 et 4 et 5, 6, 7, 8, on glisse et 1, 2, 3, 4 et relâche, 6, ouvre et ferme, 1, 2, énergie, clap, rebond, 6, 7 et 8. Très bien. Maintenant avec la musique. Respire et pousse. 7, 8 vers l'avant. Lève-toi et pousse, pousse, regarde et plonge. 4 et plante l'arme de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 écoute. 6, pas et pas et ouvre. 3, 4 à droite et main et 1, 2. 3 de l'autre côté, 5, 6, 7, glisse, 1, 2, regarde dans ta main, relâche, 7 et 8, refais, avec énergie, 5, 6, avec rebond, 8, bon travail! Mmh.